trajectoire a surpris beaucoup de monde. Exactement. Attention Ndiaye. Le petit coup, c'était un des frappes pied gauche. Oh, Maria qui va dégager ce ballon directement sur le poteau. La voilà. La grosse occasion, 8ème minute de jeu. Ce geste de grande classe de Ndiaye. Ouh, ce ballon en cloche à l'entrée de la surface de réparation. Sipsolé qui reste seul. Et attention à cette cartouche. La voilà. L'ouverture du score. Eh bien, c'est un symbole. Où Marc Asama qui inscrit son premier but sous les couleurs de l'USO. Son premier but en championnat national. Il ne s'est pas posé de question. Le jeune garçon qui accompagne sur le front de l'attaque Kevin Fortuné. 1-0 pour l'USO. Concentration. Kevin Fortuné, comme meilleur buteur de ce championnat national à cette réalisation. C'est lui le préposé sur ce coup de pied arrêté. C'est parti pour Kevin Fortuné à l'entrée de 5-50. Vincent. Sur Amio, Ngoua Amio qui va lancer Ndiaye sur le couloir gauche. Ndiaye qui s'avait mis pied droit. Ndiaye qui va aller chercher l'extérieur de la surface. Fresh, incroyable. Oh, l'enroulé magnifique du meilleur buteur pendant cette saison. Fresh, son quatrième but. Oh, celui-ci, c'est sans doute l'un des plus beaux de cette saison 2022-2023. C'est très bien joué de la part de Rivera là, qui avait retrouvé notamment Baptiste Guyot aux avant-postes. Ah, il s'est battu. Rivera, la prise de balle, la frappe du gauche. Oh, c'est repoussé par Vincent Vion. Encore un bel arrêt. C'est des combinaisons. Benfredge désormais, mais il y avait une belle densité. Benfredge qui se défait du marquage. Duel qui est allé chercher Goujon. Oh, la frappe, touché. Oh, la frappe de Rivera. Et c'est touché en effet par Vincent Vion. Oh, qui s'est détendu. Ce sera un corner pour les Polonais. Mais quelle alerte. Une première période, ma foi, intéressante. Et c'est la pause. C'est la pause ici au stade de la Source. Mi-temps intéressante, on a vu des buts alors qu'on avait la plus mauvaise attaque contre la plus mauvaise défense. Il y a quand même eu des buts dans cette partie, il y a eu du spectacle, il y a eu du jeu et déjà des gardiens bien mis à rude épreuve. Petit extérieur pour décaler, Berthier, il est un peu en retard. Et la belle récupération du coup de Bourriaud. Bourriaud qui va peut-être bien jouer là cette transition offensive. Benfredge, il a une solution à l'intérieur du jeu. C'est bien fait avec Ibrahim Sangaré, pas de position de hors-jeu. Oh, la frappe de Sangaré, l'arrêt de Vion. Et surtout le magnifique retour de Marvin Elimbi qui est bien venu gêner l'attaquant Pono. Berthier, Rivera qui a vu le bon appel de Lambeza. Lambeza qui a levé la tête. Lambeza qui va aller retrouver Benfredge qui va aller frapper pied gauche. Oh, le rebond, le contre-favorable pour Lambeza qui a bien suivi. Et le voilà, le but, le deuxième but dans cette soirée, le premier d'Adel Lambeza dans cette saison 2022-2023. Le puits qui reprend les commandes de cette partie. Et encore Kevin Fortuné, toujours Kevin Fortuné, préposé au coup de pied de coin. Le frappe pied droit, trajectoire sortante, la tête de Nicolas Saru. Oh, ça va venir mourir juste au-dessus des buts de Yann Maria.